Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Bonjour à tous, amis du jeudi, comment ça va bien ? Rockeuses, rockeurs, tous les autres, bienvenue dans Radio Manœuvre, épisode du jeudi 18 janvier 2024. Vous ne le savez peut-être pas, mais le monde du rock est en marche, les nouveautés pleuvent. Black Crowes, Black Keys, Sheryl Crow avec un nouveau morceau avec Tom Morello de Rage Against the Machine à la guitare. Voilà pour les nouveautés, sans compter le nouveau Bill Ryder Jones, cet ancien choral qui fait des vagues. Et en deuxième heure, nous aurons la visite d'un survivant du psychédélique rock, rien moins que Mr. Frog, alias Jean-Yves Labat de Rossi, qui viendra nous raconter Woodstock, où il a résidé dans les années 60, et un mystérieux voyage en Afrique qui fait l'objet d'un livre qui sort demain vendredi en librairie, Rock Me Amine, ça s'appelle. Vous savez tout sur l'émission, sauf que quelqu'un, quelque part, vient d'avoir l'idée géniale de rééditer l'album All the Young Dudes de Mott V. Hoople. Ce disque monumental, produit par David Bowie en 1972, fait aujourd'hui l'objet d'un coffret. Un coffret qui va nous permettre d'attaquer cette émission avec Mott V. Hoople, qui joue un morceau de Lou Reed, produit par David Bowie. Elle est pas belle, la vie ? Corsets and jailers in a vest. Me, I'm in a rock and roll band. Riding in a Stutz Bearcat gym. Those were different times. The poets studied rules of verse, and all the ladies rolled their eyes. Sweet Jane. Sweet Jane. Now Jackie is a banker, and Jane, she is a clerk. They're both saving up all their money when they come home from work. Sitting by the fire, wooden soldiers, and you can hear Jack say, CJ, CJ, CJ. Some people like to go out dancing, but other people, they gotta work. And there's always some evil mothers to tell you life is just full of dirt. And that women never really faint. And that villains always blink their eyes. The children are the only ones who blush. And that life is just to die.
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Sweet Jane par Mod Viewpool. Je vais disséquer le coffret 5 CD toute la semaine, mais une chose est sûre, on y reviendra dans Radio Manœuvre. Sur le plan de la nouveauté, nous avons enfin un nouveau Black Keys, Beautiful People Stay High. C'est un titre écrit par les Black Keys avec Beck, mais oui, le Beck de Loser, et Dan V. Automator. C'est un titre joyeux, positif, avec un joli groove et une section de cuivre qui ponctue le refrain de nan 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 nan. Ici, on adore, mais vous, amis auditeurs, que pensez-vous de ce nouveau Black Keys qui annonce l'album Ohio Players apparaître tout à fait incessamment au mois de mars? Voici les Black Keys dans Radio Manœuvre sur RFM. Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. C'était les Black Keys. Quand George Harrison avait publié son triple album All Things Must Pass, il est devenu le premier Beatles en solo à devenir un numéro un mondial. Et la légende raconte qu'il avait rencontré Phil Spector, le producteur, qui lui avait dit cette forte maxime « Méfie-toi, George, souvent le succès appelle le procès ». Parole d'avenir, car trois mois plus tard, Beatles George se retrouvait devant les tribunaux pour plagiat. On écoute son titre litigieux, My Sweet Lord. See you
C'était George Harrison, My Sweet Lord. Et maintenant, le nouveau Black Crowes. Car les Black Crowes se sont réconciliés après 15 années de batailles juridiques n'importe quoi, après 15 années d'albums solo, chacun tout seul dans son coin. Les deux frères Robinson ont enterré le tomahawk de guerre. Les Black Crowes sont de retour en studio pour chanter leurs nouveaux morceaux. Les Black Crowes, c'est un groupe du sud des États-Unis qui se présente comme un groupe de classic rock très influencé par les Rolling Stones et les Allman Brothers. Leur nouvel album n'est pas encore paru, que déjà un single nous allèche. Voici le titre qui offre tout ce qu'on aime chez les Noirs Corbacks d'Atlanta. Revisités, revitalisés et énergisés, les Black Crowes sont, comme on dit, bien de retour. Écoutons leur nouveau titre, Wanting and Waiting, c'est du rock. We'll be right back.
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était les Black Crowes. Et là, d'habitude, je vous dis quelques messages et on se retrouve juste après avec rien du tout. Il n'y a pas de publicité dans ces deux heures d'émission. Et voilà pourquoi nous allons écouter Bad Company. Bad Company, c'est le guitariste de Mott Viewpole qui s'était accoquiné avec le chanteur de Free, le bassiste de King Crimson et le batteur d'un autre groupe. Et tous les quatre ensemble, ils nous avaient fait Bad Company, signé par Led Zeppelin sur le label Swan Song. On peut dire qu'ils avaient été l'événement de 1973. Allez, je ne vous dis pas c'était il y a combien d'années. On écoute Bad Company dans Radio Manœuvre. Thank you.
22h minuit. Vous écoutez Radio Manœuvre. C'était Bad Company, Can't Get Enough of Your Love. Quand on voit toutes ces reformations, tout ce qui se passe dans le rock tous les jours, on ne peut s'empêcher de rêver à un monde meilleur. Imaginez par exemple, et si les White Stripes aussi se reformaient ? Alors oui, je sais, les White Stripes semblent une unité irréconciliable. Jack d'un côté, Meg de l'autre, le guitariste contre la batteuse. Mais enfin quoi, juste pour un album et une tournée, vous ne croyez pas que ça serait fabuleux de revoir les White Stripes de Detroit en action ? Mais ce rêve n'est qu'une chimère. Heureusement, nous avons la musique et les disques qui restent. Vous l'avez deviné, on va écouter les White Stripes dans Radio Manœuvre. J'ai choisi le titre Denial Twist. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory. Écoutez Radio Manœuvre. Un extrait du cinquième album des White Stripes, Denial Twist. Sur le site Louder Classic Rock, il y a une étonnante interview du groupe Orchestral Manœuvre, un groupe de Liverpool qui se souvient avoir fait une télé en 1980 avec les ZZ Top. Oui, les Orchestral Manœuvre, c'est le groupe typiquement anglais de Liverpool. Les ZZ Top, c'est le groupe typiquement texan du Texas. À l'époque, les deux groupes se sont ignorés avec Superbe et ne se sont même pas adressé un bonjour ni un au revoir alors qu'ils partageaient une loge à la BBC. Devinez quelle ne fut pas la surprise des Orchestral Manœuvre de découvrir dans une récente interview que Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard, les trois ZZ Top, avaient en fait complètement flashé sur les synthétiseurs et autres boîtes à rythme de Orchestral Manœuvre et du coup décidé de totalement revoir leur son de power trio texan pour devenir un groupe moderniste branché synthé qui s'est mis à vendre des albums par 11 millions si on reparle du fameux blues techno d'Eliminator. Alors je vous propose l'impossible, on va se faire un medley improbable, on va attaquer avec Orchestral Manœuvre tel qu'ils avaient été en 1980 et juste après on va écouter les ZZ Top. Et effectivement, à la lumière de ce nouvel entretien, tout devient très clair, comme disait le commissaire Bourrel. Allez, assez de blabla, un peu de rock, c'est parti pour le medley.
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Jeudi, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était notre medley ZZ Top Legs, Orchestral Manœuvre, Electricity. Alors, dans le monde du rock, est-ce que vous êtes plutôt
Non pas Beatles ou Stones, mais est-ce que vous êtes plutôt chat ou plutôt chien? Alors, du côté des chiens, on a les Rolling Stones qui ont fait la chanson Walking the Dog. On a également les Beatles avec Martha Maidir, une chanson sur le chien de Paul McCartney. Mais par contre, si on est chat, on connaît les noms des rockers qui ont chanté ces adorables petites boules de poils qui se font généralement les griffes sur votre canapé préféré. Il y a eu Al Stewart avec son Year of the Cat, paru en 1976, hein, l'année du chat. Et puis, il y a eu le premier album solo de Freddie Mercury avec sa dédicace. J'offre ce disque à mes chats et si vous n'aimez pas les chats, allez vous faire voir. Mais on ne va pas écouter Freddie Mercury, on ne va pas écouter non plus Al Stewart. Je vous propose un titre sorti le 9 mars 1979, Cool for Cats du groupe Squeeze, un morceau chanté avec un accent cockney terrible par le parolier du groupe Chris Difford. On l'écoute et vive les chats après tout. The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass. The score is with the corporal, she is tied against the tree. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses when the corporal is asleep. And he wakes to find the fire's dead and arrows in his axe. And Davy Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats. The Sweeney's doing 90 cause they've got nowhere to go. They get a gang of villains in a shed up at Heathrow. They're counting out the fivers when the handcuffs lock again. In and out of Wandsworth with the numbers on their names. It's funny how the missus always looks a bleeding sane. And meanwhile at the station there's a couple of likely lads who swear like as your father and they're very cool for cats, they're cool for cats. To change the mood a little I've been posing down the pub. I'm seeing my reflection, I'm looking slightly rough. I fancy this, I fancy that, I wanna be so fresh. I'll give a little muscle and I'll spend a little cash. But all I get is bitter and a nasty little rash. And by the time I'm sober, I've forgotten what I've had. And everybody tells me that it's cool to be a cat, cool for cats. C'était Cool for Cats par le groupe Squeeze. Sheryl Crow est vraiment incontournable ces jours-ci. Elle était déjà dans notre émission Radio Manœuvre la semaine dernière. Elle revient cette semaine car figurez-vous qu'elle nous envoie un autre single annonciateur de son futur album à paraître en mars. Sauf que, comme je vous le disais dans l'introduction de cette émission, figurez-vous que sur ce nouveau titre, la magnifique Sheryl, la harpie du Missouri, a demandé à Tom Morello de venir faire le solo. Alors, on parle bien du Tom Morello de Rage Against the Machine, maître du riff Blitzkrieg et du solo shrapnel. Tom Morello et Sheryl Crow, voici sans plus attendre leur titre ensemble, Evolution, avec un solo de guitare. Turned on the radio and there it was, a song that sounded like something I wrote. The
voice and melody were hauntingly so familiar that I thought it was a joke. Is it beyond intelligence? As if the soul need not exist. Evolution, ever changing, lost in space and time. Maybe there's a grand solution somewhere we will find, deep in the heart of humankind. I held my baby as the sun came up, and I watched him as he opened up his eyes. What will I tell him when he's old enough to want the answers? Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. C'était Sheryl Crow avec Tom Morello à la guitare. Evolution. J'ai failli vous passer le nouveau Peter Gabriel, mais en fait, je suis tombé sur le nouveau single de Bill Ryder Jones, This Can Go On, et c'est un morceau assez unique, assez formidable. Bill Ryder Jones, on l'a découvert, il était guitariste de The Coral, un petit groupe de Britpop de Liverpool. Et puis Bill Ryder Jones, il a eu des problèmes, il a quitté The Coral, mais comme il était copain avec Alex Turner, des Arctic Monkeys, Alex Turner l'a présenté à sa maison de disques l'a signé, il a sorti des titres, un ou deux albums solo en 2012, par là, et puis rien. Et voilà que Bill Ryder Jones revient avec une nouvelle chanson, This Can Go On. On va l'écouter, c'est magnifique, c'est de la belle chanson, c'est de la nouveauté 2024 dans Radio Manœuvre. I walk
C'était Bill Ryder Jones, This Can't Go On. Universal nous annonce de gros coffrets Thin Lizzy dès le mois de février-mars. Va y avoir une réédition de l'album Dangerous, le live double qui va désormais faire 8 CD. Et puis, il y aura une réédition de l'album live Life. Life avait été enregistré durant la tournée d'adieu de 1983, époque où Phil Lynott avait décidé de dissoudre son groupe Thin Lizzy. Voici donc le morceau d'ouverture de ce concert, ça s'appelle Thunder and Lightning. Et personnellement, j'ai très très rarement entendu un rocker démarrer un concert avec cette intensité vocale démentielle. Et en plus, il jouait de la basse en même temps, Phil Lynott. Voici Thin Lizzy dans Radio Manœuvre. Attention, ça décoiffe. Yeah.